La liste tant attendue, les amis. Vous ne saviez pas comment. Moi, j'étais même impatient, même plus que vous, les Ivoiriens. Je voulais voir quel genre de modification MSFI devait faire. Le peuple Guardiola africain, j'étais très impatient de voir quel joueur il devait appeler. Parce qu'avec MSFI, il faut être vigilant. Parce qu'il est très, très imprévisible. Ce monsieur est très, très imprévisible. Donc, moi, là, j'étais très impatient de voir même cette liste-là, les listes des joueurs convoqués, bien avant même vous-même là, les Ivoiriens. Voilà, j'étais très très impatient. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de vous abonner massivement à cette chaîne. Parce que ça, c'est la chaîne du bonheur. Voilà, ça, c'est la chaîne où, lorsque vous voulez vous détendre, vous venez et vous regardez Brian Smith. Voilà. Abonnez-vous massivement à cette chaîne pour me donner de la force et pour m'encourager. Comme vous le savez, je ne veux pas les OM, je ne veux pas les Waves, je ne veux pas les Western Union, je ne veux pas l'argent, je ne veux pas d'aide financière. Tout ce que je veux, c'est que vous preniez 5 secondes de votre temps pour vous abonner à ma chaîne Smith Brian Smith. Regardez comment, tellement je suis excité. Tellement je suis excité que je vais vite parler et puis commencer le sujet. Mais comme j'étais en train de le dire, prenez 5 secondes de votre temps pour vous abonner à la chaîne. Parce que ça ne sert à rien de voir mes vidéos en sous-marin. Voilà. Voilà. Il faut encourager l'artiste. Encourager l'artiste. Donnez-moi les 15 000 followers le plus rapidement possible. Parce que ce n'est pas facile. Je dépense mon temps, ma collection, mon énergie pour vous procurer du bonheur. Et en retour aussi, procurez-moi aussi du bonheur. C'est tout ce qui vous demande. Voilà. Prenez 5 secondes, saccagez-moi en fait même cette chaîne YouTube pour qu'on atteigne les 15 000 followers le plus rapidement possible. Maintenant là, commençons. Comme j'étais en train de dire, je suis très impatient, j'ai été très très impatient de voir ce que MSFI devait nous présenter comme joueur. Parce qu'avec ce monsieur, sincèrement, il faut être très très imprévisible. Il peut te sortir un joueur, le nom d'un joueur auquel tu ne t'attendais pas. Des fois même, tu vas vouloir même critiquer son choix. Mais lorsque les joueurs vont jouer sur le terrain, tu vas dire, pardon, MSFI. Tu vas te mettre à dire partout, partout, MSFI, il faut pardonner. MSFI, il faut pardonner. J'ai douté de toi, je n'ai jamais douté. C'est tout comme ça qu'il est. Quand ils sont sur sa liste, les gens vont bavader, bavader. Mais après, quand les joueurs vont jouer sur le terrain, vous allez les voir partout. MSFI, il faut pardonner. Pardonner, pardonner vos mamans. Pardonnez vos mamans. Voilà, je tiens d'abord à vous dire ça avant de commencer la vidéo. On ne critique pas le choix du tacticien. On ne critique pas. On regarde, on observe, c'est tout. Quand vous ne connaissez pas, voilà, vous fermez votre bouche. Voilà, je ne veux pas aller dans les pages, voilà, ivoiriennes et voir certains crancres-là qui vont commencer à dire pourquoi il n'a pas appelé ceci, pourquoi il... Non. C'est d'abord ça. Il fallait que je commence d'abord par là. Voilà maintenant les joueurs qui l'ont appelé. À la liste des joueurs convoqués. Aya Fofana. On connaît, il ne pouvait pas manquer à l'appel. C'est qui Mohamed? C'est qui ça? Qui Mohamed? Je ne connais pas le titre. Qui Mohamed? Je ne connais pas. Attends, les amis, battre assis là. Ce n'est pas le joueur qui avait mangé la pelouse là-bas lors de la CAN au Cameroun. C'est le joueur là. Son nom me dit que je battre. Parmi les gardiens, c'est battre assis là. En tout cas, si c'est vraiment lui, c'est que lui là, il vient seulement prendre les primes des matchs hein, parce qu'il ne va jamais jouer. Lui-même, il sert. Voilà, en défense, lui là, si c'est vraiment lui, c'est qu'il est seulement là pour juste remplir la liste. Défenseur, Emmanuel Agbadou, oui. Eric Bailly. Il est en forme avec Villarreal. Ousmane Diamanté, oui. Guelandoué, oui. Que Asante, c'est qui? Je ne connais même pas Ka Hassan. C'est qui ça? Moi, je ne connais pas. C'est Mananana Evang. C'est qui ça? Mananana Evang. Moi, je ne connais pas. Ah, ça veut dire que c'est un nouveau joueur. Ça veut dire que c'est un nouveau joueur. Ça veut dire que c'est un nouveau joueur. Parce que je ne le connais pas. Christian Opéry, Christopher Opéry, oui. Oui, Fouille Singo, même potentiel que Marcelo. Il est là, il répond présent. Propre. Milieu de terrain. Voilà, Diamanté Mohamed. Attends. Diamanté Mohamed. D'abord, c'était Ousmane Diamanté. Diamanté. J'ai tous les problèmes avec les deux. Ce sont les frères. Dites-moi un peu en commentaire. Ce sont pas les frères. Il voit Ousmane Diamanté. Diamanté Mohamed.
Ah, c'est moi, voici son frère. Demaro, lui là, il ne connaît pas. Sego Fofana, ça veut dire que c'est un nouveau joueur. Bon, moi, je ne connais pas. Sego Fofana. Champion Sego Fofana, tu as vu, non? Sego Fofana, tu as vu, non? Quelle est la vie? On ne parle pas trop. On bat, quand on veut quelque chose, on bat là et on ferme sa bouche. Voilà. Heureusement que toi, tu n'as pas été un garçon impoli. La dernière fois que MS Fine ne t'a pas appelé, tu as compris. Tu as dit à Mondio Vision que le choix du coach, c'est le choix du coach et on ne conteste pas. C'est à cause de ça que MS Fine t'a appelé. Moi, je suis sûr de moi. Parce que tu t'es montré professionnel. Très bien, MS Fine. Voilà. C'est ça du professionnalisme. J'aime cette manière de réfléchir. C'est Sego Fofana. Bienvenue à la maison. Franck Essier, oui. Ça, le capitaine. Seri Mikael, oui. Traoré Junior, oh. J'ai vu le petit frère là lorsqu'il jouait à Napoli. Je ne sais pas, pour cette saison là où Napoli là, a essayé peut-être de le prêter. Mais la saison dernière, je l'ai vu jouer à Napoli et sincèrement, il était intéressant. Traoré Mohamed. Si MSF a appelé, c'est parce que MSF a un autre dispositif de jeu. MSF, c'est le danger. C'est le danger. Il faut qu'on ne rencontre jamais la Côte d'Ivoire. Le Cameroun ne doit jamais rencontrer la Côte d'Ivoire. Sinon, on est mort. Tu vois seulement les joueurs. Si elle vous dit seulement le nombre de... Là où les joueurs s'y jouent, vous allez seulement raisonner. Tous sont les professionnels jouent au niveau. Tous. Ils connaissent le haut niveau. Traoré Junior, il joue à Napoli la saison dernière. Sûrement, Napoli l'a prêté dans un club là. Histoire qu'il prenne du temps de jeu, je pense bien. Attaquant. Le match a quitté, il ne pouvait même pas manquer le vouvou. Abba Diallo, il pouvait. Evan Guessant. Bon, moi, je vais rien dire par rapport à Evan Guessant. Hein. On ne juge pas le. Parce que moi-même, au début de la vidéo, je voulais dire, on ne critique pas le choix du coach. Pas que je voulais dire, j'ai bien dit au début de la vidéo qu'on ne critique pas le choix du coach. Donc, il ferme ma bouche. Mais Evan Guessant, là, on a vu ce match. Mais c'est moi-même qui ai dit ici là qu'on ne critique pas le choix du coach. Voilà. Donc, ce que j'ai dit là, moi-même, il respecte. Sinon, on va se tranquille, ne parlez plus. Sébastien Heller, le pointeur de classe mondiale de retour. Pas mal, pas mal, pas mal. Après, il va aussi faire pour le Camerounais. K. Evrat. C'est un Ivoirien ici là. K. Evrat. C'est un Ivoirien d'origine. Evrat. Moi, je connais les Ivoiriens, ça s'appelle généralement Diallo, tout ça, machin, machin. Et voici, c'est quoi? C'est métisse. Sa mère, c'était une métisse ivoirienne et elle a épousé un blanc. Et voici, ça n'a pas l'air d'être un nom ivoirien. Il y a tout. C'est quoi avec les caca? C'est Kevin ou bien c'est quoi? C'est Ké Philippe. Ça, c'est le nouveau joueur. C'est un nouveau joueur. Quand il voit Ké Philippe, Ké Evrat, c'est Evrat là. C'est un nouveau joueur. Nicolas Pepe, oui. Traoré Béni. Bon, pour Traoré Béni, tout le monde connaît son talent. Hein. Son talent, il fait beaucoup. On a vu les quelques minutes qu'on lui a donné. C'est le petit Yamine Lama du continent africain. Donc, il va faire fort. Sinon, il est fort, il est fort, il est fort. Bon, vous et moi, nous avons constaté que MS Faye a fait appel à beaucoup de nouveaux joueurs. Comme les Evrat. Les cas Philippe que je ne connais même pas. Bon, Traoré Béni, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer dernièrement. Je l'avais vu jouer. Le reste là, avec les deux maillots que je ne connaissais pas, je ne connais pas. Les cas Asante, les cas. C'est quoi avec les cas? Oh, c'est Kevin. Les cas là, c'est Kevin. C'est Kelly. C'est quoi? En tout cas, je suis très fier de cette liste. En tout cas, même si je ne suis pas fier, qui suis-je pour contester le choix du coach MS Faye? Je ne peux que fermer ma bouche. Donc les amis, j'en ai terminé actuellement. N'oubliez pas de vous abonner massivement voilà, sur la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et activer la cloche de notification, c'est toujours très très important. Très important. En tout cas, pour les équipes adverses qui vont jouer contre la Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Comme vous connaissez, je suis toujours votre humble serviteur Brian Smith pour vous rendre le CD.